un groupe assez solidaire qui s'est mis en osmose, on va dire, assez rapidement. Les échanges, on est en petit groupe, la convivialité se met en place, une certaine complicité même, je dirais. L'accueil, le tour de table, la présentation et la mise en route du stage, il brise la glace avec les autres participants et formateurs et on se lance pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Moi, ce que je retiens, c'est le professionnalisme de la formatrice. C'est pas mal d'échanges entre les stagiaires, donc ça permet d'avoir plusieurs moments forts, pouvoir voir que dans d'autres entités, il se passe un peu la même chose que dans la mienne. C'est assez intéressant entre professionnels, ce partage. On a débuté les jeux, donc c'était enfin, ce qui est pour moi le plus intéressant. On a lâché la pression et on a pu se parler sereinement, un cap de franchi. Les principaux moments forts, c'est tous les échanges qu'on peut avoir avec les différents participants. Le dialogue du formateur, les supports qu'il nous a détaillés, ou d'autres supports sur lesquels il s'est appuyé pour nous donner les informations dont on a besoin. C'est intéressant tout au long et c'est vrai qu'on est accroché, voilà, on est vraiment à l'écoute du formateur tout au long. Quoi. On parle de quoi concret ? J'ai envie de dire le formateur, puisqu'il connaît vraiment très très bien son sujet et il nous fait partager, en plus de la formation de base, toutes les expériences que lui a pu connaître de par ses fonctions.